Salut tout le monde, c'est Antoine pour Photopia. Aujourd'hui, on est au Portugal, plus précisément au sud de Lisbonne, sur une magnifique plage à perte de vue. Et on va tester aujourd'hui en partenariat, et c'est le premier de la chaîne, j'en suis bien content, un trépied de la marque Sirui, qui m'a gentiment envoyé un de leurs derniers trépieds haut de gamme, qui m'a beaucoup été utile au Portugal avec ces magnifiques paysages. Et on va donc le débriefer aujourd'hui pour voir ce qu'il en est, sachant que moi de mon côté j'ai le petit trépied, le AM225, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne que j'ai testé, et qui m'a énormément plu pour le voyage. Ici, on parle d'un trépied un petit peu plus professionnel, donc on va voir petit à petit toutes les fonctions qu'il embarque pour voir si effectivement il vous convient et pour voir si surtout il m'a plu. Du coup, ce trépied est fourni avec une petite boîte de rangement que voici. Moi, en général, je les utilise pas parce que ça m'encombre un peu plus. Vu que les trépieds sont faits pour tenir sur la durée, j'ai tendance à les emmener tout seul. Et voici la bête. On a donc ici le trépied, le ST124, fourni avec sa tête. Ça a beaucoup changé par rapport à ce que j'avais avant, parce que j'avais une tête de trépied qui était beaucoup plus simpliste, de même pour le trépied qui était aussi beaucoup plus petit. On a bien sûr avec ça la petite palette qui permet de poser son boîtier sur le trépied. Moi en général j'en ai pas besoin parce que j'ai directement un grip qui est accroché à mon Nikon Z6 directement. Ça m'évite à chaque fois de devoir enlever ou remettre cette petite palette. Qui est fournie du coup aussi avec une sangle. Donc c'est toujours bon à noter les petits sacs de transport. Ça permet donc de le transporter de façon beaucoup plus facile si jamais vous allez sur des tournages et que vous êtes pas mal encombré. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un trépied qui va défaire ses pieds avec un système de vis. Donc vous avez juste à dévisser pour pouvoir déverrouiller le trépied. Comme vous pouvez voir, moi ici, j'ai énormément utilisé le trépied à la plage, donc j'ai énormément de sable de partout. Gros avantage d'ailleurs, le trépied a les pieds totalement étanches. Donc une fois qu'ils sont mis en place, vous pouvez le mettre totalement sous l'eau, il va résister et l'eau ne va pas s'infiltrer. Moi j'ai encore un petit peu d'eau qui reste entre deux par-ci par-là, il faut encore que je le rince d'ailleurs. Pensez bien à rincer vos trépieds ou tous les accessoires que vous avez tant qu'il y a du caoutchouc et du métal à l'eau claire directement pour éviter que le sel puisse imprégner le matériau et que ça l'abîme surtout. Donc au final, avec ce trépied, on a quand même une très bonne taille ici. Ça croustille un peu avec le sable, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir le sortir à tout moment. On a donc 1, 2, 3, 4 sections, donc 3 vis ici pour le mettre. L'avantage encore une fois d'avoir seulement ces 4 sections, moins vous avez de sections, plus vous aurez un trépied qui sera stable quand vous allez développer le pied entièrement. Et une fois qu'on l'a mis tout en place comme ceci, on a déjà un pied qui arrive au niveau du torse, ce qui en fait déjà une très bonne position sans avoir à monter la colonne centrale ici. Une fois que vous allez monter la colonne centrale, on va arriver à une très bonne hauteur que je vais vous indiquer à l'écran. Voilà, une fois que vous avez le trépied qui est monté, on arrive à hauteur de ma tête et moi je suis à peu près 1m83, ce qui en fait une position déjà très largement suffisante pour toutes les utilisations que vous pourriez avoir. Moi de mon côté, en général, je préfère ne pas avoir de colonne centrale, c'est pour ça que j'avais pris leur premier trépied, le AM225, puisqu'il me permet de voyager en toute simplicité, sachant qu'en plus, mon trépied, de manière très générale, j'utilise le plus proche du sol pour pouvoir donner un peu plus de profondeur à mes photos. Donc ça, on va dire, c'est un des seuls petits défauts que je conseillerais de changer, c'est-à-dire de juste de pouvoir dévisser la tête et la fixer juste sur le haut du trépied sans avoir la colonne centrale. De 1, ça permet de réduire le poids, et en plus de ça, ce qui est dommage, quand vous avez les pieds totalement repliés et que vous les mettez, hop, comme ça, avec le système de Sirui, dès que vous êtes au premier cran, vous n'allez pas pouvoir le poser parce que la colonne centrale va toucher par terre. C'est un truc que je trouve un petit peu dommage, mais qui ne va pas trop déranger, hein, sachant qu'on sera déjà proche du sol, à peu près à ce niveau-là, ce qui très souvent suffit amplement. Bon, bah changement de terrain, il y a toujours les vagues, j'espère d'ailleurs que vous m'entendrez bien, mais cet endroit est incroyable. Il y a vraiment les couleurs avec le rouge là et le bleu de l'océan, c'est assez fou. En parlant de changement de terrain, d'ailleurs, il va falloir vous adapter au terrain dans lequel vous allez. Et pour ça, vous avez donc les petites pointes qui sont directement incluses dans le trépied. Et ça, c'est une grosse différence par rapport au petit trépied que j'avais de Sirui. Vous allez pouvoir visser ou dévisser les pointes en fonction du terrain sur lequel vous serez. Donc si vous êtes sur des surfaces lisses, comme du carrelage par exemple chez vous, vous pouvez mettre la surface en caoutchouc qui va éviter de déraper. Et si vous êtes sur un terrain un peu comme ça, rocailleux, vous pouvez mettre les petites pointes en métal qui vont vous permettre d'adhérer beaucoup plus au terrain. Et le fait de les avoir comme ça, d'embarquer dans le trépied directement, ça vous évite de pouvoir les oublier
une fois que vous partez à l'aventure. Et ça, c'est quand même un gros gros plus. De manière générale, le feeling avec ce trépied a été ultra agréable. J'ai été franchement très 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 bien surpris. Encore une fois, de toute façon, c'est un trépied haut de gamme. On est à plus de 300€ avec celui-là. Donc c'est forcément un trépied qui va convenir à beaucoup beaucoup d'attentes. Mais il y a des petites choses comme par-ci par-là qui font la différence par rapport à d'autres trépieds. J'en ai pas spécialement l'utilité moi maintenant, mais par exemple, si jamais je veux me filmer de nuit et que j'ai besoin de poser une lumière type panneau LED qui va pouvoir rehausser mon exposition de ma tête, je peux avec différentes attaches, donc là j'en ai une petite et une grosse visserie qui va me permettre de visser différents accessoires. Et ça, ça va être un gros plus, que ça soit très bien un micro ou d'un panneau LED pour avoir un retour ou plein d'autres choses. Après, ça sera à vous en fonction des besoins que vous avez. Vous allez pouvoir customiser plus ou moins ce trépied pour pouvoir y adapter tout ce que vous avez dans votre sac. Encore une autre petite chose plutôt intéressante, c'est que ici sur la tête qui est fournie avec, vous pouvez très bien acheter d'ailleurs le trépied sans la tête et en prendre un autre si jamais ça ne vous convient pas. Vous avez forcément la petite attache qui permet de bouger la tête 3D et ainsi que ici la deuxième petite visserie, ça va être pour changer un petit peu la dureté à laquelle vous allez pouvoir changer la tête. Ça vous évitera, quand vous allez faire un réglage, de desserrer et d'avoir votre boîtier qui tombe d'un coup en avant ou en arrière et de tout dérégler ce que vous avez de déjà fait. Autre chose, vous avez bien sûr en bleu ici la petite vis qui vous permet de desserrer ou resserrer directement l'appareil sur la tête avec un petit niveau à bulle qui va vous permettre de voir si vous êtes droit ou pas. Et ensuite, juste à côté, vous avez une autre petite vis qui va vous permettre, hop, de faire des tout petits réglages sur l'axe horizontal si jamais vous voulez changer 2-3 choses. Sachant que vous pouvez aussi changer l'axe horizontal en touchant à cette petite vis, cette troisième qui est sur la base, pour pouvoir le changer encore une fois sur l'axe horizontal. Donc ça vous donne plein de possibilités de réglages sur le terrain qui sont là pour vous faciliter la vie et ne pas vous embêter. Sachant que la colonne centrale, vous pouvez aussi la dévisser en bas, il y a un petit caoutchouc qui permet encore une fois d'étanchéifier toutes les parties qui sont à l'intérieur pour pouvoir déloger la colonne centrale ici. Je vais le faire comme ça, vous verrez que c'est assez rapide. Vous avez juste à la prendre, la déloger, la remettre ici, hop, à l'envers, revisser par haut. On a bien sûr, comme d'habitude dans la plupart des trépieds, le petit crochet qui permet d'accrocher un sac pour stabiliser un peu plus le trépied. Sachant que quand il y a du vent, il va falloir faire attention de ne pas toujours mettre un sac accroché ici. Il suffit qu'il y ait du vent et que le sac commence un petit peu à balancer à droite et à gauche pour que le trépied perde en stabilité. Vous avez la colonne centrale qui peut gêner si jamais vous mettez proche du sol comme ça. Mais sachez que le boîtier, vous pouvez très bien le mettre à l'envers et remonter la tête tout en haut pour faire des photos le plus proche et le plus immersif possible. Vous l'aurez compris, ce trépied me plaît beaucoup, surtout que pour un gabarit comme ça, vous avez seulement 1,7 kg. Alors c'est 700 grammes de plus avec la tête incluse que le petit trépied de voyage que j'ai, qui sera là pour des utilisations bien plus spécifiques quand vous partez en randonnée ou à l'étranger, que vous avez besoin de réduire au minimum votre poids. Mais celui-ci, si vous avez besoin de quelque chose de stable et de relativement léger, parce que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais il est en carbone. Mais on a un trépied qui fonctionne très bien, qui a des pieds surtout étanches qui permettent du coup de pouvoir répondre à toutes les attentes possibles au niveau nature. Et ça, c'est un gros gros plus. Un design qui fonctionne énormément, voir si jamais vous avez le budget ou pas. Vous l'aurez compris, ce trépied et Siri, je commence à beaucoup beaucoup les aimer. Forcément, ils m'ont envoyé le trépied gratuitement. Je n'ai pas été du tout rémunéré pour ça. Ils m'ont absolument donné aucune limite sur ce que j'ai à dire. Donc j'ai pu dire tout ce que j'ai eu à dire. Et j'espère que cette petite review, en tout cas, vous aura plu et que tous les petits plans que j'ai pu faire ici au Portugal pour montrer ce trépied auront été plaisants. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils, mettez-les en commentaire. Je vous conseillerais bien sûr de vous abonner et d'aller voir le lien en description pour acheter, si jamais ça vous intéresse, ce trépied-là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao !